La communion anglicane a choisi comme secrétaire général, en juillet 2015, un évêque originaire du Nigeria, Mgr Josiah Atkins Idowu Freeran. C'est la première fois qu'un évêque issu du continent africain est nommé à ce poste. Il a pour tâche d'assister l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, pour maintenir l'unité entre les 38 églises membres de la communion anglicane, rassemblant 85 millions de personnes à travers le monde. Nous l'avons rencontré à Londres où il réside et avons choisi pour ce mois un format exceptionnel pour Net for God, en consacrant l'ensemble du film à l'interview qu'il nous a accordée. Il évoque pour nous des questions particulièrement sensibles aujourd'hui. La relation avec l'islam et les enjeux d'unité au cœur de la communion anglicane. Son appel à être un homme de dialogue, ouvert à la différence, s'enracine dans son expérience vécue dès sa jeunesse, d'être chrétien au milieu d'une majorité de musulmans. I come from the northern parts of Nigeria. Je suis originaire du nord du Nigeria. Et toute ma vie, je devrais dire, depuis l'âge de raison, depuis l'école primaire, j'ai toujours vécu avec des musulmans. Nous allions à l'école avec les musulmans, nous faisions des choses ensemble. Et quand je suis entré à l'école militaire à Zaria, là encore, chrétiens, musulmans, et même des garçons dont les parents n'étaient ni chrétiens ni musulmans, nous étions élevés ensemble. Après avoir été ordonné prêtre, il part en Angleterre étudier la théologie, tout d'abord à l'université de Durham, où il est admis au Collège Saint-Jean. L'une des matières que j'ai choisi d'étudier était civilisation islamique. Avec le recul, je crois maintenant que c'était providentiel. Dieu, en fait, m'a conduit. C'était son plan. Donc, j'ai commencé ce cursus. À l'université de Durham, la patristique était une des matières obligatoires. Vous savez, l'étude des premiers pères de l'Église. Et comment l'Église était traversée par de grandes luttes théologiques. Et l'un des sujets qui m'attirait vraiment était la christologie. Comment l'Église primitive était aux prises avec cela. Comment même des évêques et des théologiens, à cause de la manière dont ils essayaient d'expliquer la pleine humanité et la pleine divinité de Jésus-Christ, étaient considérés comme hérétiques. Avec ma petite connaissance de l'islam et de la civilisation islamique, ça a fait tilt. Le portrait de Jésus dans le Coran est très proche de ce que l'Église orthodoxe considérait comme une hérésie. Cela piqua ma curiosité, et c'est ainsi que débuta mon intérêt pour les études islamiques. J'ai prié à nouveau
Et je me suis dit, si le Seigneur me veut dans ce ministère, j'irai plus loin dans les études. Aussi, dès la fin du premier cycle universitaire, j'ai déménagé à Birmingham. C'était la dernière étape de ce que je considère comme le pèlerinage vers mon ministère parmi les musulmans, pour pouvoir se comprendre entre musulmans et chrétiens. J'ai choisi d'écrire une longue dissertation sur le statut d'un non-musulman dans un gouvernement islamique ou dans une nation islamique. On parle de dhimmi en arabe, dhumma au singulier. Un dhumma est un citoyen protégé. J'ai donc écrit cette dissertation qu'il a fallu que je présente en cours. Nous étions environ 14, tous en master. Je pense même que quelques-uns étaient en doctorat. J'ai donc commencé à présenter mon texte. Tout d'un coup, 4 à 5 minutes après le début de ma présentation, je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus lire. J'ai craqué et je me suis mis à pleurer. J'ai donc arrêté. Le professeur David Kerr était directeur du centre. Il m'emmène à l'étage. « Josiah, qu'est-ce qui se passe ?» Je réponds, « David, c'est mon histoire. Une minorité chrétienne, un homme de la tribu Nupé au nord du Nigeria, c'est ma situation. » J'ai compris alors que la boucle était bouclée. J'ai su à ce moment-là que le Seigneur m'appelait à retourner dans mon pays pour encourager les chrétiens et les musulmans à se comprendre. Longue histoire, mais c'est mon pèlerinage. C'est ainsi que j'ai commencé. Et depuis, j'ai toujours fait ce travail, construire des ponts pour la compréhension entre chrétiens et musulmans. Ordonné évêque de Sokoto en 1990, Monseigneur Josiah devient ensuite évêque de Kaduna en 1998. Des dizaines de voitures calcinées, Kaduna tente d'apaiser la flambée de violence de ces derniers jours. 2 ans plus tard, alors que des violences interreligieuses embrasent la région, sa connaissance de l'islam et ses liens avec les musulmans permettent de sortir de la crise. Dans son église, sa position de dialogue n'est cependant pas toujours comprise. Je fais partie de la branche évangélique, pentecôtiste, charismatique de l'église anglicane. À cause de mon engagement à regarder l'islam et ses aspects positifs, et en considérant le christianisme, les points positifs sur lesquels ces deux religions sont d'accord, un bon nombre de mes amis évangéliques disent « Regardez, il n'est plus évangélique. » Ça fait mal, mais je ne peux pas changer. On a dit toutes sortes de choses sur moi, à cause de mon engagement dans le ministère de réconciliation entre chrétiens et musulmans, à cause de la réconciliation parmi les anglicans, parce que je suis un enfant de la communion. Je connais l'Occident et je connais les pays du Sud. J'ai fait des études dans les deux. J'ai travaillé dans les deux. Et cette connaissance m'interdit d'adopter certaines positions. Ma connaissance m'oblige à me lever pour défendre ce que je crois être juste. Nous avons rencontré Monseigneur Josiah quelques jours après la tuerie d'Orlando aux États-Unis, où un homme a tué 49 personnes dans une boîte de nuit fréquentée par des personnes homosexuelles. Les attentats qui sont l'œuvre des islamistes de Daesh ou de Boko Haram au Nigeria et dans les pays limitrophes conduisent de plus en plus à une méfiance ou à une peur envers l'islam. Comment peut-on pratiquer une telle violence au nom de Dieu ? Et quel peut être le remède face à cette violence? The question of violence
La question de la violence est inhérente aux trois religions appelées religions abrahamiques. C'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parce que chacune de ces religions a des écritures saintes, il est nécessaire d'expliquer ou de commenter ce thème dans certains passages de la Bible ainsi que dans le Coran. When I say Bible, it includes the Jewish Bible and the Quran. There is that thing. Ce thème inhérent à ces écritures pourrait être radicalisé, mené à la violence. Radicalized that could be violent. So there is violence. Il y a donc de la violence dans ces trois religions, et ceux qui connaissent ces écritures seront d'accord avec moi. Ainsi, lorsqu'un individu, un fou, comme ce jeune homme ou un groupe comme Boko Haram ou Daesh au Moyen-Orient. Quand ces personnes arrivent et commencent à extraire des versets du Coran. En Afrique centrale aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des chrétiens qui ont commis des massacres, tué des musulmans. Tout cela au nom de la religion. Ni l'islam, ni le christianisme n'autorisent la violence. Mais la violence est dans nos écritures, et nous devons d'être honnêtes. Pour moi, l'antidote est d'avoir une compréhension juste de ce que votre religion enseigne. Et aussi de prendre les moyens, l'engagement de vivre ce que votre religion attend de vous. Parmi ces trois religions, judaïsme, christianisme et islam, la seule religion, la seule foi qui rend obligatoire l'amour des ennemis, qui en fait un commandement, est la foi chrétienne. Le judaïsme et l'islam sont sur le même niveau. Aime ton prochain comme toi-même. Si votre prochain est un ennemi, la Bible est claire. Jésus-Christ est très clair. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ni le judaïsme, ni l'islam n'enseignent ceci. Nous sommes donc, en tant que chrétiens, comme ceux qui ont reçu un ordre. Nous devons montrer la différence que le Christ fait en nous. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire en tant que chrétien. C'est donné, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas Josiah qui dit « Je vais aimer Mohamed ou Abdullah ». Non, ce n'est pas moi. C'est cette présence de Dieu en moi, dans la personne de l'Esprit-Saint, qui me donne cette capacité. C'est au-delà de la compréhension humaine. Cependant, même si le Coran ou les hadiths ne le rendent pas obligatoire, la question de l'amour du prochain est aussi dans les hadiths. C'est dans l'islam. C'est dans ce que l'on appelle les hadiths non écrits, un hadith prononcé par le prophète Mohammed lui-même. Dans mon coin du monde, au nord du Nigeria, les gens vous diront, oui, le hadith du prophète dit « aime ton prochain ». Et ton prochain, c'est tous ceux qui sont 20 maisons en face de la tienne, 20 maisons derrière chez toi, 20 maisons à ta gauche et 20 à ta droite. Quiconque se trouve dans ce cercle est ton prochain, qu'il soit musulman ou chrétien. Vous voyez, ce sont des aspects positifs pour ceux qui s'engagent à construire des ponts de compréhension entre ces deux communautés de foi. Pas entre l'islam et le christianisme, parce qu'entre islam et christianisme, il n'y a rien de mauvais, mais entre le chrétien et le musulman,
Nous sommes les praticiens. Nous sommes les gens qui mettent en pratique ce que nos écritures nous enseignent. L'œuvre de réconciliation, ce travail de construire des ponts, se fait entre des personnes. Je veux vraiment souligner cela. En effet, nous sommes tous des êtres humains. La Bible et le Coran affirment tous les deux que nous descendons des mêmes parents, Adam et Ève. Dans le Coran, c'est très clair. Ainsi, la question de l'humanité commune des personnes est inscrite à la fois dans la Bible et dans le Coran. Toutefois, le Coran va plus loin en disant « Le fait que vous soyez blanc et moi noir, moi je ne suis pas noir, plutôt chocolat, ou quelqu'un venant du Soudan, qui serait noir, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. » La Bible ne nous dit pas pourquoi Alan est blanc, anglais, moi nigérian, vous français. La Bible ne le dit pas. Ce qu'on y trouve, c'est la tour de Babel. Mais le Coran affirme clairement qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous a créés de nations, de tribus et même de religions différentes. Afin que nous puissions apprendre à nous connaître. C'est clair dans le Coran. La différence est délibérée du côté de Dieu, afin que nous puissions nous comprendre. Voilà ce que dit le Coran. Et c'est pourquoi l'éducation est nécessaire. Et en islam, l'éducation est prise très au sérieux. Du coup, les gens comme Boko Haram n'ont pas vraiment compris leur religion. Il est impossible de me comprendre sans m'étudier. Les deux sont imbriqués. Quand vous allez voir l'éducation dans les études islamiques, vous y trouvez cette insistance. Comprendre, comprendre, comprendre. Il s'agit de cela. L'expression arabe est « lita arafu ». Dieu nous a créés différents. Pourquoi ?« Lita arafu », afin que nous puissions nous comprendre les uns les autres. La communion anglicane a une structure d'autorité qui articule primauté et synodalité. Quatre instruments de communion ont été mis en œuvre progressivement pour garder l'unité entre les 38 églises membres, aussi appelées provinces, auxquelles s'ajoutent 6 églises extra-provinciales de taille plus réduite. Le premier instrument est le rôle de chef spirituel tenu par l'archevêque de Canterbury. Puis la conférence de Lambeth, qui rassemble en principe tous les 10 ans les évêques convoqués par l'archevêque de Canterbury. Dans l'intervalle ont lieu les rencontres des primats des différentes provinces d'une part, et d'autre part du conseil consultatif anglican, qui inclut laïcs, diacres et prêtres. The Anglican Communion is different. La communion anglicane est différente de l'Église de Rome. Les catholiques romains parlent de l'Église catholique romaine. Mais vous n'entendrez jamais un anglican parler de l'Église anglicane. Nous sommes une communion de 38 églises indépendantes, ou si vous ajoutez les 6 autres, de 44. Nous n'avons donc pas de pape. Je vous le dis parce que cela vous aidera à prier pour la communion anglicane. Nous avons 38 églises indépendantes. Nous sommes indépendants culturellement. Nous sommes indépendants administrativement. Churches. So,
L'expression « communion anglicane » en soi, le fait que nous soyons une communion est un miracle. Mais j'adore ça. Ce qui rend notre ministère doublement difficile est lié à tout ce que je viens de dire. Il y a 38 églises différentes s'unissant pour parler d'une seule voix. Si nous avions un pape, ou si l'archevêque de Canterbury était un pape, ce serait différent. Alors nous ne serions plus une communion, nous serions une église. Mais ça ne fait pas partie de notre nature. Ce n'est pas anglican d'avoir un pape. Nous avons quatre instruments, quatre moyens de garder la communion unie. À mon sens, le point essentiel est qu'aucun de ces instruments n'a d'autorité pour commander. L'archevêque de Canterbury a une carte spéciale, un atout lié à l'appartenance. Pour devenir membre de la communion, vous devez être en communion avec lui. Ainsi, s'il n'accepte pas votre Église, mais que vous dites que vous êtes toujours anglican, vous êtes dans l'illusion. Vous n'êtes pas anglican, à moins que l'archevêque de Canterbury dise « Oui, je vous accepte ». C'est la seule carte d'atout qu'a l'archevêque. La question de l'homosexualité traverse la communion anglicane comme les autres églises chrétiennes et est la source de grandes tensions qui menacent sa cohésion. L'Église épiscopalienne aux États-Unis a voté récemment pour le mariage des couples de même sexe, se mettant en opposition avec les autres églises, notamment du continent africain, où se trouvent aujourd'hui plus de la moitié des anglicans dans le monde. Cependant, la ligne directrice de la communion anglicane reste inchangée depuis la conférence de Lambeth en 1998. Le mariage est possible uniquement entre un homme et une femme, et en même temps, les personnes homosexuelles doivent être accueillies et non stigmatisées. Je suis sûr que vous pensez à ce thème de la sexualité. Nous avons pris une décision en 1998. Nous appelons nos décisions des résolutions. De façon similaire à la position de l'Église catholique romaine, nous nous sommes accordés sur ce point que, d'après ce que nous comprenons aujourd'hui des Écritures, nous ne pouvons pas accepter que des personnes de même sexe se marient. Mais nous continuons en disant « Nous savons qu'il y a certains de nos fils et de nos filles, certains de nos membres, qui ont choisi cette façon de vivre. Et nous avons une responsabilité pastorale envers eux. Par conséquent, notre communion ne peut pas soutenir la criminalisation des homosexuels ou des lesbiennes. C'est clair. C'est la position de notre Église. Elle n'a pas changé. Et chaque partie de la communion est liée par cela. Donc mon travail est de dire au monde que c'est la position de la communion anglicane. Et chaque Église s'aligne sur cette décision. Maintenant, venons-en à la racine de notre problème. Je commencerai par ma propre partie de la communion, celle d'où je suis originaire, le Nigeria, ou l'Afrique. Il y a des églises en Afrique qui font partie de la communion et dont les gouvernements ont criminalisé l'homosexualité. Le Nigeria est l'un d'eux. Et j'ai dit, avant même d'avoir le poste que j'occupe, je fais partie de la communion. Je ne peux pas soutenir cela. Je ne peux pas et je ne soutiendrai pas cela. Parce que la position de ma communion
et que nous devons avoir une responsabilité pastorale envers ces personnes. Donc si un gouvernement dit « nous criminalisons l'homosexualité », notre travail est d'aider ceux qui ressentent cette attirance pour qu'ils sachent qu'on s'occupe d'eux, que l'Église s'intéresse à leur salut, à leur bien-être. C'est mon travail. Mais lorsque je vais dans des lieux où l'on dit « le gouvernement a décidé cela, et c'est ce que nous ferons, nous les marierons », alors, en tant que secrétaire général, mon travail est de dire « je n'accepte pas cela ». Jusqu'à présent, mon Église dit que nous avons une responsabilité pastorale. À moins que la communion se rassemble à nouveau et dise que nous bougeons par rapport à cela, c'est mon travail. Sinon, je n'ai pas de travail à faire. Et je veux garder mon travail parce que je l'aime beaucoup, et je crois que c'est la chose rationnelle à faire. Vous ne forcez personne, mais votre travail est d'encourager les gens à être ensemble. Dans la communion anglicane, je conçois mon travail comme secrétaire général ainsi, expliquer pour que les gens comprennent et respectent nos différences. Et cela me ramène à ce que je vous ai dit du Coran, l'ita'arafu, la compréhension. Nous pouvons vivre avec nos différences. Les chrétiens sont appelés à évangéliser dans un contexte plurireligieux ou des sociétés de plus en plus sécularisées. Comment persévérer dans cet appel à être des hommes et des femmes d'unité, de réconciliation ? Fondamentalement, ce qui a façonné mon engagement, mon appel de chrétien, c'est le désir de Dieu que tous soient sauvés. Dieu veut que personne ne périsse. Voilà ce que je crois, comme chrétien. Certes, je ne peux pas forcer les gens. Du coup, mon rôle est de faire deux choses. Premièrement, la graine de la parole a été semée en moi, je le crois. Dieu en Christ compte sur moi pour en vivre, pour y être obéissant. Vivre de la parole. La lumière de Dieu m'a été donnée. Dieu compte sur moi pour la faire briller. C'est de cela dont Paul parle. En 2 Corinthiens, chapitre 5, il dit « À nous qui avons été réconciliés, Dieu en Christ nous a confié le ministère de la réconciliation. » Une traduction de la Bible le dit magnifiquement. Dieu nous a confié le ministère de faire de tous les hommes ses amis. Voilà le but ultime de la réconciliation. Faire que tous les hommes viennent à Dieu. Et pour moi qui suis chrétien, par le Christ. C'est par le Christ. Ainsi, c'est à moi de vivre l'Évangile, de laisser briller la lumière, que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Voilà ce qu'est la réconciliation. Ici, cependant, il nous faut être humble. Pour moi, c'est là l'essence de la parabole de la graine qui a été semée. Le cultivateur sème son grain, puis il rentre chez lui et il dort. Il n'a pas à s'inquiéter. Dans Saint Marc, le verset 28 de ce chapitre dit « D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. » Et le cultivateur continue de dormir. Quand vient le moment de la moisson, alors il sort et moissonne. Mais la façon dont le grain pousse ne devrait pas être notre affaire. C'est là qu'il y a des problèmes entre les chrétiens et même, j'ose le dire, entre les musulmans. Mais ce ne sont pas nos affaires. Ce n'est pas notre responsabilité de forcer qui que ce soit. Pas de quoi en perdre le sommeil. À nous de semer la bonne nouvelle, de faire les bonnes œuvres que Dieu attend de nous et de lui laisser les résultats. Mais nous ne devons jamais oublier que le désir de Dieu est que tous soient sauvés.
Comment il le fait? Comme disent les Arabes, Allahu Alam. C'est Dieu qui sait. Donc on se calme. On se calme. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Seigneur, nous te prions pour les 38 églises membres de la communion anglicane et chacun de leurs primats, en particulier Mgr Justin Welby, archevêque de Canterbury. Viens renforcer les liens entre ces églises pour qu'elles puissent demeurer dans cette compréhension mutuelle et former un seul corps, malgré les différences qui peuvent les opposer. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à dépasser nos peurs pour aller à la rencontre de l'autre, de cultures ou de religions différentes.